quand je suis debout là-bas, on voit bien. Ça me coupe la tête.
Coucou Audrey. T'inquiète pas, t'es pas en Bonsoir. retard. Hein. Bonsoir, ça n'a pas encore commencé, donc t'as le temps Bah, d'arriver. je suis dans les bouchons, donc je pense en fait je me connecte juste pour, Pour on va voir, dire, ouais. pour voir comment tu fais ton cours, voilà, comment ça se passe, comment, si c'est le nom des mouvements. Ok, Voilà. pas de souci, pas de problème. Pour l'instant, j'attends que ça se connecte, c'est pas encore arrivé. Ça va, beaucoup de bouchons? Un peu. Un peu, ouais. ça, c'est sûr qu'avec le confinement, ouais, ça aide pas. Enfin, confinement, on en couvre-feu, on n'est pas encore Couvre-feu. reconfiné. Ouais. Ouais. Bah moi ça m'arrange limite le confinement parce qu'au moins il y a moins de monde sur la route. Moi c'est pour le Ouais. boulot. Ça va plus vite. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Ça va au niveau du micro, tu m'entends bien là? Nickel. Ouais. Ok, parfait. Bah, on verra avec les autres après. Ok, parfait. J'ai soif. J'ai oublié qu'il y avait ça là-haut. Vais me mettre en plein écran. Alexa. Allume le plafonnier à 80%. Parce que du coup, c'est la lumière qui est là qui me gêne. Non, 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 non. Coucou. Je ne suis pas devant l'écran, mais je vous vois. Bonjour Elodie. Ça va, Muriel? Ça Coucou. va bien et toi? Ça va bien? Fais des réglages? Je refais mes derniers réglages parce que j'avais tout réglé. Et en fait, dernière minute, j'ai voulu modifier un truc. Bonjour Sylvie. Coucou. Coucou, Coucou. Sylvie. Salut. Ça va? Ça va pas quoi? Oui. Ah mais c'est parce que c'est normal parce que j'ai Ça pas tout arrive tout branché. doucement. Mais c'est normal, je te dis que je n'ai pas branché. Voilà, maintenant tu peux. Disponible. Alors, on va attendre encore un petit peu que tout le monde se connecte. Bonjour. Bonjour. Mika, Salut. ça va bien? Oui, et toi? Oui, super. Je vais chercher mes lunettes, je vous verrai mieux. Coucou, ah Malika, salut, t'es là? Se connecte petit à petit. Je sais pas s'il y aura des nouvelles têtes. On va voir. On va voir, ouais.
dit quoi? Quoi? Bon, 6 pour l'instant. Enfin, 5, puisque je me compte dans le... Allô, maman, elle est prête à arriver depuis. Tu rentres du reste du temps au travail, donc on sera en train de trajet. Oui. Donc, je pense que il y a Caro qui voulait se connecter, mais comme elle était en formation toute la journée, elle m'a dit que le réseau là-bas, là-bas, quand on parle du loup. Coucou Caro. Coucou Caro. On te voit pas, on t'entend pas, mais que peut-être. Alors pensez à couper vos micros pour l'instant parce que il y a un peu une cacophonie. Ça va Caro? Pensez à couper les micros pour l'instant et à les activer quand vous voulez parler. J'ai un bruit de fond là, je ne sais pas si c'est une télé. J'ai peur, je pense. Ah peut-être. Vous m'entendez, les filles? Oui, 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 on t'entend. Moi, je n'entends pas du tout. Ah, t'entends rien? On entend plein de choses derrière toi. Ouais. Nous, on t'entend, Caro. Hein. On entend le bruit de fond derrière toi et tout. Hein. Il y a beaucoup de gens qui parlent derrière toi. C'est ta formation, c'est ça? Essaye de voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Salut. Ça va? On t'entend? Vous m'entendez? Hein, oui, oui, on t'entend. Ouais. Ouais. Oui, oui, oui. Salut. Apparemment, tu as réussi à lancer l'enregistrement? Je ne l'ai pas encore lancé puisqu'on était en train. Tu as réussi à lancer l'enregistrement? Je ne l'ai pas encore lancé, là. J'allais le lancer parce qu'on ne sait pas, on était en train de toutes se connecter. Bah, pourtant, si, elle t'a l'air d'enregistrer, là. Ah, bah, écoute. Ouais. Tu as l'air d'avoir la main dessus. Ah, ouais, bah, nickel. Écoute, okay. Parfait. Bon, ben voilà. D'accord. Bah oui, t'as raison. Hein, puisque bon, salut les filles. Ouais. Bah, bonne séance merci à toutes. Bah, merci. Bonne séance, je vous laisse. Je repars. Merci. À la formation. Ok. Je pense qu'il à en manque quelques-unes. Ciao. Ouais, il y en a beaucoup qui avaient dit qu'elles seraient là et qui ne sont pas encore. Ouais, pas encore arrivées, ouais. Ouais, bah c'est pas grave, on va commencer tout doucement. Pas de soucis. Des choses particulières, ces chaussures, non, c'est... Voilà, c'est ça. Alors, le mieux pour le pilate, c'est d'être pieds nus ou en chaussettes si vous n'êtes pas sur du carrelage. Ok ? Si vous êtes sur du carrelage, on évite les chaussettes pour éviter de glisser, tout ça. Pas de baskets pour bien ressentir le sol sous les pieds. Donc, on évite les baskets. Ok. Et bah sinon, votre tenue habituelle et un tapis si vous en avez un. Sinon, ce n'est pas indispensable. Mais comme il y a un des mouvements où on sera sur le dos, c'est quand même mieux d'avoir un petit quelque chose au sol pour ne pas se faire mal au niveau des lombaires. Quoi. Ok. Bon, allez. Donc, bah, je devais faire un petit blabla pour présenter le concept de Caro. Mais vous connaissez tout le concept. Donc, du coup, bah, je ne vais pas reblablater, hein, ça ne sert à rien. Au niveau du micro, vous m'entendez toutes bien ou pas? Ouais? Il y a un petit grésillement. Il y a un petit grésillement. Alors, peut-être que je suis un peu loin ou un peu près. Je vais essayer de... Après, je l'ai mis au max. Je vais peut-être baisser un peu aussi. Les autres, vous entendez un grésillement aussi ou pas? Bah là, j'y touche. Hein. Là, si, quand j'y touche, c'est normal que ça grésille un peu. Mais sinon, quand j'y touche pas, vous vous entendez un grésillement ou c'est bon, c'est nickel? Ouais, on l'entend. C'est léger, mais on l'entend. Il y a un grésillement léger. Oui. Ok. Léger.
Bon, bah à voir alors, parce que j'ai fait plusieurs tests avec plein de personnes différentes et il n'y a personne qui m'a parlé de grésillement. Ok, bah c'est pas grave, on essaiera de voir plus tard, mais ouais, c'est bizarre effectivement qu'il y ait un grésillement comme ça. Bon, je vais peut-être essayer de l'éteindre et le redémarrer, ça peut peut-être aider. Ou pas ? Il est toujours... Ouais, il est toujours là. Peut-être que mon micro est un peu fort. Du coup, si je baisse le son du micro, ça peut peut-être aider à... C'est pas gênant, on entend tout. Est-ce que ça va mieux, là ? Oui, ouais. Ça va. C'est vrai que c'est pas gênant. Enfin... Ça va. T'inquiète pas. Bon. Surtout qu'il n'y a pas de musique, là, aujourd'hui. Donc... Ok. Donc, bah, je vais vous refaire un petit topo vite fait rapide sur pourquoi on va faire du Pilates dans le cadre du programme, ce que ça peut vous apporter pour le reste. Alors, le Pilates, le but, c'est vraiment de booster vos résultats sur le reste du programme en faisant du Pilates. Pourquoi ? Parce qu'en faisant du Pilates, on va renforcer tous les muscles posturaux les plus profonds, en fait, ceux qui sont vraiment les plus utiles pour maintenir une posture correcte. Et évidemment, pour faire les autres exercices, que ce soit sur les HIIT, les renfos ou tous les autres cours du programme, ça va vraiment vous aider à faire les exercices non seulement en sécurité, donc puisqu'on a des muscles posturaux plus forts, donc on pratique en sécurité, forcément on se blesse moins. Et ça va vous aider également à booster vos performances. Pourquoi ? Parce que ça va vous aider à aller chercher plus loin. Si je n'ai pas un centre du corps qui est solide et que j'essaye de faire des fentes sautées, même si j'ai une bonne explosivité au niveau de mes jambes, ça ne suffira pas parce que mes fentes, je vais partir dans tous les sens, je vais éventuellement me blesser. Donc vraiment, si vous voulez aller plus loin, ça va vraiment vous aider à renforcer les muscles les plus profonds et ceux qui servent vraiment à maintenir une posture. Ensuite, le Pilates, il faut savoir que ça aide beaucoup pour obtenir un ventre plat et garder une taille fine, parce que le muscle abdominal le plus profond, c'est le transverse, et c'est vraiment lui qui vous aide à garder un ventre plat. Et c'est lui qu'on va renforcer essentiellement dès la respiration en Pilates. Okay, vous allez voir tout à l'heure que dès la respiration, on le sent. Ensuite, évidemment, bah, comme tout ce que je vous ai dit avant, comme ça vous muscle la sangle abdominale, ça va soulager les douleurs dorsales. Il faut savoir que les abdominaux et les muscles du dos sont des muscles antagonistes, donc opposés. Et du coup, si on a une sangle abdominale qui est faible, ça va favoriser les douleurs de dos au quotidien et même dans les mouvements... dans les mouvements du quotidien, ou si vous avez déjà des douleurs de dos, et bien le fait d'avoir une sangle abdominale faible, ça ne va pas aider, forcément. Donc, si vous renforcez votre transverse, ça va vraiment aider à diminuer ces douleurs. Également, comme on améliore notre posture et notre maintien, et bien à chaque fois que vous êtes en position assise, par exemple sur l'ordinateur, au bureau ou en télétravail, le Pilates, ça va vraiment vous aider à vous redresser et à garder une posture qui est correcte. Et ça va vraiment vous aider donc pour tous ces points-là. Donc vraiment, ça n'a pas négligé si vous voulez aller chercher plus loin et encore progresser dans la partie 2. Ok ? Donc, moi, vous me connaissez déjà, donc je ne vais pas me représenter. Hein, on s'était déjà présenté vite fait. Vous savez que j'ai rejoint l'équipe de Caro. Donc, on va pouvoir démarrer. On va partir tout de suite sur la respiration. Donc, on va se placer debout. Les pieds largeur de hanche. Les pointes de pied légèrement ouvertes vers l'extérieur. Alors moi, je vais me mettre de profil pour que vous me voyez bien. Je déroule mes épaules vers l'arrière. J'allonge la colonne le plus possible. Je garde les épaules bien basses. Et je ressens le sol sous mes pieds. Okay ? C'est pas, j'ai pas un appui approximatif sur mes pieds. J'ai bien les pieds ancrés dans le sol.
Le bassin, il est ni, on va revoir ça dans d'autres cours sur les postures, mais il est ni en antéversion, ni en rétroversion. On essaye de garder un bassin bien neutre, ok ? Un nombril aspiré vers la colonne vertébrale et on se grandit au maximum. Donc j'essaie vraiment d'imaginer un fil au-dessus de ma tête et je me grandis le plus possible. Et je vais poser mes mains sur mon abdomen au niveau du ventre. Ok ? Donc d'abord, on va ressentir la respiration. À l'inspiration, vous allez constater que votre abdomen se gonfle et qu'à l'expiration, il revient en position initiale. Ça, c'est la respiration normale, quand on respire sans faire d'effort. Moi, ce que je vais vous demander à partir de maintenant, c'est de poser vos mains sur vos côtes et de ressentir l'écartement des côtes quand vous inspirez. Et les côtes qui reviennent en place à l'expire. Ça, normalement, on le sent tout. Ce mouvement d'ouverture sur le côté, je vais vous demander de l'amplifier le plus possible à l'inspiration, comme si vous ouvriez un parapluie ici, un parapluie qui s'ouvre. Vraiment, on ouvre les côtes et la cage thoracique à l'inspiration. En plus d'ouvrir les côtes, une petite, très grosse différence même avec l'inspiration normale. À l'inspiration, je vais rentrer le ventre au maximum. Donc j'inspire, toujours les mains sur les côtes, je rentre le ventre au maximum et à l'expire par la bouche, j'aspire encore plus fort le nombril vers la colonne. Donc première phase, inspire par le nez, tu rentres le ventre, ensuite je relâche. Inspire, nouveau cycle respiratoire, tu rentres le ventre. Tu écartes les côtes et à l'expire, tu aspires encore plus fort le nombril vers la colonne. Là, normalement, si on fait ça, on sent vraiment l'engagement de la sangle abdominale. Allez, on le fait une dernière fois, toujours les mains sur les côtes. On visualise le parapluie qui s'ouvre à l'inspiration par le nez, l'inspire. Et à l'expire, j'aspire, j'engage encore plus le centre du corps. Et rappelez-vous, comme au dernier cours de Pilates, sur l'expiration, j'essaie vraiment d'expirer comme si je cherchais à créer de la buée sur une vitre devant ma bouche. Donc j'essaie vraiment d'expirer le plus longtemps possible. Ok ? Ça, c'était pour la respiration. On va se placer pour celles qui ont à tapis en bout de tapis. Pour les autres, on se place de profil, tout simplement. Et on garde tout ce travail de respiration qu'on vient de voir en tête. Donc, inspire par le nez, rentre le ventre, expire, engage encore plus le centre du corps, tu expires par la bouche comme si tu cherchais à faire de la buée sur une vitre devant toi. Ok, comme tout à l'heure, la colonne vertébrale allongée, les épaules basses, j'inspire, je lève les bras au-dessus de la tête, rappelez-vous, j'inspire, je rentre le ventre. J'expire, je vais enrouler la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Fléchissez légèrement les genoux. Je fléchis vraiment les genoux, je relâche la nuque, je pose les mains au sol. Ok ? Ensuite, j'inspire, j'avance les mains doucement. J'expire, je pose les genoux au sol. Ici, je me place les épaules au-dessus des poignets. On est bien d'accord, mes fesses ne sont pas là. J'engage le bassin vers l'avant, ok ? Tout de suite, j'aspire le nombril pour ne pas avoir le dos qui se creuse comme ça. Ok ? Ça va pour tout le monde, ça ? Les mains sont bien sous les épaules, ok ? Et depuis cette posture, alors, on va avoir d'abord sur les mains et ensuite sur les coudes. Depuis cette posture, je vais inspirer toujours. Donc, j'engage le centre du corps en aspirant le nombril. Et à l'expire, je vais chercher plus loin. J'aspire le nombril, j'aspire. Je viens vous regarder pour voir vos postures. Si vous pouvez vous mettre de profil, c'est mieux. Alors, comme ça, je vois bien vos postures. Nickel. Allez, vous continuez à l'inspiration par le nez. J'aspire le ventre. Et à l'expiration par la bouche.
J'engage encore plus le nombril vers la colonne. Je cherche à créer de la buée sur une vitre devant moi. Le plus longtemps possible. Ok, parfait. Pour celles qui ont mal aux poignets, vous pouvez éventuellement passer sur les coudes. À savoir que les coudes doivent rester sous les épaules, comme les poignets. On est bien d'accord. Ok ? N'hésite pas, Sylvie, à passer sur les coudes si tu as mal aux poignets. Ok ? Alors, si c'est un peu facile pour moi et que j'ai bien compris l'engagement du centre du corps et la respiration, seulement si c'est facile, hein, on n'y va pas si on n'a pas encore tout compris, je peux éventuellement tendre les jambes, pas n'importe comment. Écoutez-moi, à l'inspire, j'aspire le ventre comme tout à l'heure. À l'expire, en engageant le centre du corps, je décolle les deux genoux. Je maintiens la posture, je garde le bassin bien face au sol et je continue de respirer. Inspire par le nez, creuse le ventre. Expire par la bouche, engage le centre du corps plus loin. Aspire le nombril vers la colonne. Alors là, vos micros sont coupés, mais normalement, j'entends vos expirations. Hein. Inspire par le nez, creuse le ventre. Expire par la bouche, dernier cycle respiratoire. Aspire le nombril. Ok, on repose doucement les genoux au sol. Parfait. Je reste en gainage, donc j'engage toujours les hanches vers le sol. C'est très bien. Par contre, Sylvie, je ne pourrais pas trop te corriger parce qu'on ne te voit pas. Tu vois, ta caméra, elle est trop haute. Donc, si tu veux que je te corrige, il faut la baisser un tout petit peu. Ok ? Donc, je rappelle les deux options. On va faire un deuxième cycle. Première option. J'engage les hanches vers l'avant, j'aspire le nombril et je reste dans cette posture pendant tous mes cycles respiratoires. Malika, tes fesses sont trop en arrière. Engage les hanches vers le sol en aspirant le nombril. Parfait. On garde bien les poignets sous les épaules. Nickel. Deuxième option, dans l'expire, on monte les genoux, uniquement dans l'expire, hein, et on continue les cycles respiratoires en haut. Allez, on se positionne, on repart. Inspire, creuse le ventre, expire, engage le centre du corps. En option, si tu le souhaites, tu peux décoller les genoux. Parfait. Alors, on regarde bien le sol, hein. On ne regarde pas sur les côtés, sauf pour me voir, hein, mais le regard toujours entre les deux mains. On ne casse pas la nuque. Parfait. Alors, Valérie, tes fesses, elles sont trop hautes. Avance les épaules au-dessus des poignets et baisse les fesses vers le sol. Enfin, les hanches plutôt vers le sol. Voilà, c'est mieux. Allez, on continue ces cycles respiratoires. À l'inspiration par le nez, on creuse le ventre. À l'expiration par la bouche, on engage encore plus le centre du corps. Allez, dernier cycle et ensuite on redescend. Si ça devient trop dur, posez les genoux comme sur la première option. Inspire par le nez. Allez, ici tu aspires le ventre, tu le creuses, creuses, creuses. Et à l'expire, va chercher plus loin. Tire, tire, tire le nombril vers la colonne. Inspire, repose doucement les genoux au sol. Reviens les fessiers sur les talons. Ramène le front vers les genoux et les bras ici. Le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. Ici, on arrondit le dos au maximum pour soulager les lombaires. Ok, on verra après s'il y en a qui ont eu mal au niveau des lombaires sur cet exercice. On verra pourquoi et comment l'éviter. Ok ? Donc ça, c'était la planche. C'est un exercice qu'on peut aussi faire sur les coudes en gardant bien les coudes sous les épaules. Ok ? Et évidemment, après, il y a des évolutions qu'on n'a pas vu aujourd'hui, mais il y a des évolutions pour rendre l'exercice plus difficile. Ok ? Allez, on va passer au suivant. On reste ici, on ne se relève pas. Ok ? On va passer à quatre pattes. Donc, quand je dis quatre pattes, c'est vraiment comme tout à l'heure, les mains sous les épaules, que ce soit en largeur ou en hauteur, hein, et également les genoux sous les hanches. Ok ? Il faut vraiment avoir ces quatre appuis-là, de sûr.
Ici, je ne me laisse pas, je ne me tasse pas. Je repousse le sol avec mes mains et les omoplates se décollent dans le haut du dos. Ça va pour tout le monde ? Le plus important sur cet exercice va être de garder votre bassin face au sol. Vous allez voir que ce n'est pas si évident, vous allez comprendre pourquoi. Allez, j'inspire par le nez, je place d'abord ma respiration avant de faire un mouvement. Je creuse le ventre à l'inspire. À l'expire, je vais chercher plus loin. J'aspire le nombril vers la colonne. Je pense à bien engager le centre du corps. Sur le prochain cycle, on va commencer le mouvement en tendant la jambe droite en début d'expire, d'expire. Donc j'inspire par le nez toujours, je creuse le ventre. Dans l'expire, je tends d'abord la jambe sur le sol. Puis ensuite, en deuxième partie, je lève la jambe sans décaler le bassin. Donc je la lève dans le prolongement du corps, comme si je cherchais à l'allonger loin derrière. Je ne vais pas chercher plus loin que la ligne tête, bassin, pied. Tout doit être aligné comme une ligne droite. Je te regarde, Sylvie. Allez, on y va, c'est parti. Malika, un peu plus haut la jambe. Dans l'inspire, je redescends mon pied au sol sans réfléchir le genou au sol. Je repose juste le pied. Ici, juste le pied. Et dans l'expire, je remonte. Dans le prolongement du corps, et j'essaye de tirer mon pied le plus bas possible. Donc, il ne faut vraiment pas monter, il faut imaginer un fil qui tire le pied vers le bas. Parfait. Inspire, redescends la jambe. Faites vos cycles respiratoires normalement. À l'inspire, je descends. À l'expire, je remonte. Ne laissez pas vos épaules se tasser. Repoussez le sol avec les mains. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Remonte. Ok, ça c'est la variation la plus simple. Valérie, il faut monter un peu plus ta jambe dans l'expire. Hein, pas trop, on ne casse pas. On garde vraiment un alignement de la jambe et du buste. Hein. Ça doit vraiment être un alignement. Alors attention de ne pas casser au niveau du bas du dos quand on lève la jambe. Raison de plus pour ne pas lever trop haut et de bien engager le centre du corps. Allez, encore deux cycles respiratoires de ce côté-là. Inspire. Creuse le ventre, expire, aspire le nombril, monte la jambe. Celui-là, c'est le swimming, c'est un exercice qu'on peut faire aussi complètement allongé sur le sol. Ça, c'est la version la plus simple. Dernière fois, inspire. Expire, engage le nombril, creuse le ventre, engage le centre du corps, tire ton pied loin derrière, ne laisse pas tes épaules se tasser. Et redescend dans l'inspire sans creuser le dos. Garde la sangle abdominale engagée. Ok, vous en doutez, on a fait un côté, on va faire l'autre. Celles qui ont besoin de délasser un peu les épaules et les poignets, n'hésitez pas à les dérouler vers l'avant, vers l'arrière et sur les côtés. Ok, on secoue un petit peu et on est reparti. Le plus important, c'est de garder en tête à l'inspire. On creuse le ventre, on a le parapluie, les côtes qui s'ouvrent sur le côté. Et dans l'expire, on va chercher plus loin. On aspire le nombril vers la colonne. Là, on engage vraiment au maximum le centre du corps en expirant la buée, comme ça. Le plus longtemps possible, ok ? Allez, on se replace à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Parfait. Repoussez le sol avec les mains pour ne pas laisser les épaules se tasser. J'inspire de nouveau. Je tends ma jambe dans le début d'expire, rappelez-vous. Et dans la deuxième partie d'expire, je la lève dans le prolongement du corps. Pas plus haut. Parfait. Inspire, redescend. Expire, remonte en engageant le centre du corps au maximum. Alors, c'est vraiment le dos du pied qui se repose. Hein. On ne réfléchit pas le genou quand on redescend. Allez, vous continuez à votre rythme. Hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre le mien. Hein. C'est très bien ça. Muriel, continue comme ça.
Très bien. Alors, attention de ne pas montrer trop la jambe, Valérie, hein, dans l'expire. Hein. Très bien, Malika. Allez, on continue. Allez, Sylvie, ne creuse surtout pas le dos et garde la nuque aussi dans le prolongement du corps. Ne laisse pas tes épaules se tasser. Repousse le sol avec les mains. Parfait, c'est très bien ça. Allez, pensez bien dans l'expire, la buée sur la vitre. Hein. Encore deux cycles respiratoires de ce côté. Allez, Muriel, c'est très bien, continue comme ça. Essaye de ne pas casser la nuque. Hein. Allez, Valérie, on continue, on ne lâche pas. Allez, normalement, vous êtes sur votre dernier cycle respiratoire. Sans creuser le dos, dans l'inspire, on redescend. On repose le genou au sol, comme tout à l'heure, fessier-talon. J'enroule le dos pour ramener le front vers les genoux, les bras le long du corps, les paumes vers le ciel. Et je relâche mes épaules. Ici, j'arrondis au maximum pour soulager le dos. Parfait. Donc là, ce sont vraiment des mouvements de base. Mais quand on a déjà la respiration et l'engagement du centre du corps, ce sont des mouvements qui travaillent déjà beaucoup. On va voir sur le suivant, qui va un petit peu plus loin, celui-là. Relevez-vous doucement en déroulant le dos. Parfait. Et on va venir s'asseoir sur le sol ou sur son tapis, si vous en avez un. OK. Donc, venez dans le bas du tapis pour avoir de la place derrière vous, parce qu'on va s'allonger. OK. Ici, je déroule le dos doucement pour venir m'allonger. Et comme quand j'étais debout, je ne suis pas juste allongée, genre je fais dodo. Non. Je vais passer pour l'instant mes pieds à une distance des fessiers qui me convient. Et je vais allonger ma colonne le plus possible, vraiment comme si un film me tirait, encore une fois. Je mets mes épaules le plus bas possible, je sors ma poitrine. Okay. Et le bassin, donc c'est plus difficile quand on est couché de le visualiser, mais n'est ni en antéversion, donc le dos trop creux, ni en rétroversion, et là les lombaires qui touchent complètement le sol, c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment un bassin neutre, encore une fois, d'accord? Donc mémorisez cette position de votre bassin et verrouillez-la, ok? Depuis cette posture, je vais monter mes genoux au-dessus de mes hanches, mais pas tout de suite. Inspirez, creusez le ventre et dans l'expire, je monte le genou droit. J'inspire de nouveau, je creuse le ventre. Dans l'expire, j'aspire encore plus le nombril, je monte le genou gauche. Là, j'ai les mollets parallèles au sol, les genoux au-dessus des hanches. Ok, c'est bien le cas pour tout le monde, parfait. J'inspire. Dans l'expire, je vais décoller la tête du sol en engageant bien le centre du corps. Le regard vers mes genoux, du coup. Ok ? Donc ici, j'engage le centre du corps pour ne pas casser la nuque, très important. Je tends mes bras juste au-dessus du sol, les paumes tournées vers le sol. Et on va faire 10 battements, 10 fois. Ce mouvement, c'est le 100. Ok ? Si tu sens que tu creuses trop le dos, Valérie, n'hésite pas à repasser les pieds au sol et à le faire ici en gardant uniquement les talons décollés. Ok ? Allez, on inspire, on creuse le ventre, on ouvre la cage thoracique et dans l'expire, on commence les battements des mains. Tout doucement, petit battement, 10 fois. On inspire, on relâche. Ici, je creuse mon ventre et dans l'expire, 10 battements de mains. Donc, ne cassez surtout pas la nuque. On garde le centre du corps engagé pour ne pas casser la nuque. Allez, de nouveau, j'inspire. Dans l'expire, les 10 battements de mains. Allez, j'en veux 10, on en est au troisième. Parfait. Est-ce que ça va, Sylvie? Oui, bof. Allez, courage. Faites-le à votre rythme. Dans l'inspire, je creuse le ventre. Dans l'expire, j'aspire le nombril vers le sol et je fais mes 10 battements. Rappelez-vous, mon expire, c'est la buée le plus longtemps possible. J'inspire de nouveau. C'est bien, Malika.
Muriel, parfait. Valérie aussi, c'est très bien. Allez, vous continuez comme ça. Dans l'inspire, je creuse le ventre le plus possible. Et dans l'expire, là, j'écrase au maximum mon nombril vers le sol. Je fais mes 10 battements. En continuant d'expirer, je ne bloque surtout pas ma respiration. Allez, très bien, on continue comme ça. Ça va, Sylvie ? C'est dur ? Ouais, c'est normal. Allez, continue surtout de ne pas creuser le dos et d'engager le centre du corps, surtout dans l'expire. Allez, Malika, on lâche pas. Si besoin, tu viens les pieds au sol, tu décolles les talons et tu continues. Et quand ça va mieux, tu redécolles. OK ? Allez, normalement, il nous reste encore une ou deux séries. Ça dépend de votre rythme. Inspire une dernière fois. Creuse le ventre. Dans l'expire, aspire le nombril vers le sol. Ne casse surtout pas la nuque, Malika. On inspire, on déroule doucement la nuque sur le sol. On reste les genoux en l'air pour l'instant. J'inspire. Dans l'expire, je pose le genou droit. Inspire. Dans l'expire, je pose le genou gauche. Donc vous avez vu que celui-là, il est déjà un cran au-dessus. Et encore, c'est la version genou fléchi, parce que la version jambe tendue, elle est encore plus difficile. OK ? On verra ensuite, Sylvie, pourquoi tu as eu mal au dos, certainement. OK ? Tu me diras si c'était au dos que tu as eu mal ou ailleurs, peut-être. Allez, là, on vient tendre les jambes. Tendez les jambes sur le sol. On lève les bras au-dessus de la tête et on se grandit le plus possible. Donc, avec les talons vers le bas, on tire. On essaye à chercher à grappiller des millimètres et avec les épaules et les bras vers le haut. Comme si deux fils opposés nous tiraient. Parfait. J'inspire, je relâche. Je repasse les bras le long du corps. Je ramène les deux talons proches des fessiers. Les genoux à la poitrine, je les attrape avec les bras. Et là, je vais faire des petits ronds sur le bas du dos pour soulager les lombaires. Respirez normalement. Allez, vous massez la zone des lombaires en faisant les petits ronds sur le bas du dos. Parfait, très bien. Relâchez bien la tête sur le sol. Là, on garde plus de tension dans la nuque. Vous posez la tête au sol. Parfait. Allez, on repose le talon droit sur le sol, sans creuser le dos toujours. Le talon gauche sur le sol. Parfait. Et vous venez lever le bras qui est vers votre ordinateur, donc celui qui est tourné voilà, vers l'ordinateur. Et je bascule mes genoux vers l'ordinateur également. OK ? Comme ça, vous vous retrouvez face à moi normalement. OK ? Et là, je mets du sol pour me redresser doucement, tranquillement. OK, on va s'étirer rapidement, surtout au niveau des lombaires, tout ça. Et après, on fera un petit débrief. Donc là, c'était vraiment, on a fait trois postures. C'était vraiment des postures de base. Et évidemment, pour chaque posture en pilates, il y a des variations qui permettent d'aller plus loin une fois qu'on maîtrise la respiration, l'engagement du transverse et du périnée. Là, j'ai pas trop insisté sur le périnée aujourd'hui parce que je sais que la respiration... Et le transverse, ça fait déjà beaucoup à assimiler et à faire en plus des mouvements. Donc la prochaine fois, on essaiera d'axer un petit peu sur le périnée également. OK ? Allez, ici, on se replace à genoux face au sol. Donc les talons sur les fessiers sur les talons, pardon. J'ai les genoux ouverts, ne les gardez pas fermés. Ouvrez-les à peu près largeur de hanche. Et vous venez chercher loin devant avec les mains. Loin, loin, loin devant, j'inspire. Dans l'expire, j'étire les aisselles vers le sol, je relâche la nuque. Donc là, vous venez vraiment tirer vos aisselles le plus près possible du sol. Le front vient se poser même sur le sol. C'est bien, c'est parfait comme ça. Je déroule le dos tout doucement. Parfait. Redressez-vous, déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Très bien, prenez votre temps, celui dont vous avez besoin. OK, je vais décoller les fessiers du sol. Je garde mes genoux ouverts à peu près largeur de hanche. Et je vais venir tendre mes bras vers l'avant.
Ici, j'aspire le nombril, j'arrondis le dos, mon regard se place vers le sol, la tête entre les épaules. Donc là, regardez mon bassin, il vient en rétroversion. Je m'avance pour que vous voyez mieux, puisque j'étais dans le noir. Rétroversé. Je ne suis pas en bassin neutre, je rétroverse le bassin. Je pousse les fessiers vers l'arrière, je pousse mes mains vers l'avant et j'arrondis le dos au maximum. Et là, je tire vers l'avant avec les mains pour soulager les lombaires. Parfait. Je viens placer les mains au sol à quatre pattes. Les mains sous les épaules, donc vraiment à quatre pattes comme tout à l'heure. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. À l'inspiration, je vais pousser les fessiers vers le ciel, sortir la poitrine, dégager les épaules loin des oreilles. Donc regardez, là, c'est normal si votre dos se creuse un petit peu. Les épaules, on les tire loin des oreilles. Sylvie, sors. Voilà, c'est ça. Et à l'expiration, je repousse le sol avec les mains et les genoux. J'arrondis le dos, le regard vers les cuisses. Je pousse dans le sol en arrondissant le dos au maximum. Arrondissez-moi ce dos, repoussez le sol. Allez, vous continuez, inspire, sors la poitrine, pousse les fesses en arrière, fléchis légèrement les coudes. Là, la tête, le menton fier, les épaules loin des oreilles. Et dans l'expiration, j'arrondis le dos, je repousse le sol, j'aspire le nombril au maximum, le regard vers mes cuisses. Allez, une dernière fois à votre rythme, selon votre cycle respiratoire. Tire les épaules loin des oreilles dans l'inspire. Voilà, et dans l'expire, on arrondit le dos, on repousse le sol avec les genoux et les mains. Le dos bien rond comme un chat. Parfait, revenez poser les fessiers sur les talons, les bras le long du corps. On pose la tête sur le sol dans la posture de l'enfant. On relâche complètement les épaules ici. Relâchez vos épaules. On prend le temps de récupérer sur un ou deux cycles respiratoires. Puis quand on se sent prête, on vient poser les mains sur le sol pour redresser le buste tout doucement. Ok, prenez votre temps, hein. Alors, n'hésitez pas à réactiver vos micros, à dire, vu que là, on n'est pas très nombreuses, vous pouvez toutes les réactiver. Alors, une demi-heure pour un cours de pilates, c'est court. L'idéal, c'est trois quarts d'heure, surtout quand on débute, qu'il faut déjà passer par la respiration, les positionnements, tout ça. Bassin, transverse, tout ça. Mais voilà, en gros, c'était juste les postures de base. On n'est plus simple. Alors, niveau respiration, et déjà respiration, est-ce que vous avez compris à peu près l'idée? Ouais. Ouais. Moi, j'en avais déjà fait un peu. D'accord. Je m'en souviens. Après, c'est des fois le maintenir pendant les phases d'exercice, en fait. Des fois, on se rend compte qu'on a tendance à relâcher inconsciemment. C'est ça, on ne s'en rend pas compte. Des fois, on part plus dans On se concentre sur autre chose, voilà. Quand on reprend conscience de la respiration, on se dit, oula, mais là, en fait, j'ai relâché l'abdomen. Complètement. Donc c'est toute la difficulté quand on ne le pratique pas, pour l'instant en tout cas, de façon régulière. C'est ça, ouais, c'est le vrai défi au début, réussir à faire les mouvements tout en gardant à la fois la respiration placée, correcte, et l'engagement qu'on doit avoir au niveau du transverse, du centre du corps. Ok, les autres au niveau de la respiration, est-ce que c'est clair ou est-ce qu'il y a encore des petites interrogations? Comment respirer, quoi, à quel moment? Non, ça va? Écoute, ça va. En te suivant, ça, on y arrive toute seule. Moi, je ne suis pas certaine que j'y arriverai, mais bon. Ok, mais si, je ne vois pas pourquoi tu n'y arriverais pas. Bah, pour le moment. En pratiquant régulièrement, il n'y a pas de raison.
Alors, vos ressentis, sinon, à part ça, qu'est-ce que vous en avez pensé, chacune de votre tour? Qui veut commencer? Je me lance, moi, si vous voulez. Donc, au niveau du ressenti, sur le 100, j'avais la nuque un peu raide. Alors, je sais pas si... je sais pas si c'est parce que j'ai pas assez levé les épaules ou... Alors, effectivement, sur le 100, c'est un des mouvements qui est le plus, qui sollicite le plus la nuque. Ouais. Surtout quand on a tendance à compenser un peu au niveau, en fait, la sangle abdominale, il faut vraiment, en fait, ce que j'aurais dû vous dire et sur lequel je n'ai pas assez insisté, c'est de bien, le menton, il doit être... Ni comme ça, évidemment, puisque là, je vous l'ai dit, de ne pas casser la nuque, voilà. Ouais. Ni complètement collé au niveau de la poitrine. Ouais. Il faut laisser à peu près la taille d'une balle de ping-pong entre votre poitrine et votre menton. Okay. Donc, pour vraiment ne pas être en hyper-extension de la nuque et ne pas partir sur des douleurs au niveau de la nuque, des trapèzes. Et du coup, on peut plus se concentrer sur le mouvement. Voilà. Ouais. Donc après, ça, c'est un des mouvements effectivement qui sollicite le plus parce qu'on a la nuque, la nuque relevée. Quoi. Il y a d'autres mouvements où la nuque est au sol, mais celui-là, effectivement, la nuque est relevée. Ok. Et après, sur l'exercice de planche, c'est plutôt les bras au bout d'un moment avec les poignets qui pliaient. Ouais, c'est vrai que ça, c'est pour ça, ouais, ça fatigue un peu au niveau musculaire dans les bras. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai donné l'option aussi de éventuellement passer sur les coudes. Et on sent qu'au niveau des poignets, ça commence à être... Parce que la planche, elle existe sur les mains ou sur les coudes en pilates. Ouais. Voilà. Non, mais sinon, c'était sympa. C'est vrai qu'on avait envie d'en voir davantage, mais... C'est ça. Prochaine fois. Voilà. Alors là, c'est vraiment... Le but, c'est vraiment de... Voilà, on ne va pas y aller trop vite d'un coup. Le but, c'est vraiment de connaître d'abord respiration, placement... Voilà, tout ce qu'on vient de voir. Et là, c'était vraiment des postures de base, sans variation. Voilà. Là, y avait... Et puis, c'est savoir à quel moment on garde le neutre, à quel moment, au contraire, on doit plaquer les lombaires au sol ou pas. Ouais. Donc ça, c'est tout un travail à faire sur toutes les postures. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, j'ai gardé volontairement le rythme lent. Parce que vous découvrez... Mais après, le pilate, il y a des cours de pilate qui sont très rapides. On enchaîne les postures. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et non sur trois cycles de respiration, etc. Ouais, c'est ça. Et en plus, voilà, il y a des moments où on va tenir, voilà, comme tu dis, sur trois cycles. Et il y en a d'autres où les mouvements vont être beaucoup plus rapides en fonction de si on maîtrise ou pas la posture et le mouvement. Il y en a qui vont, par exemple, sur le one leg circle, c'est un mouvement où on est allongé, on tourne la jambe. Il y en a qui vont rester à ce rythme avec une grande amplitude. Il y en a d'autres qui vont refermer l'amplitude, accélérer le rythme. Mmh. Il y a vraiment plein de possibilités. Là, c'est vraiment que le début. Ok. Ouais, sur le premier exercice dont j'ai oublié le nom, Muriel, que tu as relevé tout à l'heure, au bout d'un moment, moi, j'avais mal à la cuisse, le haut de la cuisse. J'ai senti le muscle qui… C'est là quand tu m'as reprise, tu m'as dit « Malika, tu tiens ». Ma cuisse, elle m'a abandonnée, là. Celle où tu expirais en relevant la cuisse et où tu inspirais en descendant le pied au sol Oui, c'est ça. C'est exact. Ouais, le swimming. Ouais. Donc, je suis là au bout d'un moment. Non, c'est qu'on était comme ça et que... Non, c'est avec la tête. Le 100, ça veut dire 100. Enfin, vous vous en doutez, je pense. Et donc, c'est parce qu'on fait 100 petits battements. Au bout d'un moment, j'avais ma cuisse, la droite d'ailleurs, celle-là, elle m'a tuée. C'est pour ça que j'ai à un moment que j'ai posé les jambes parce que j'y arrivais plus. Ah oui. C'est ça, parce qu'en fait, pour tout ce que vous avez fait, les hits jusqu'à présent, c'est une endurance. Ça vous demande beaucoup d'explosivité. Et ça vous demande pas spécialement d'endurance musculaire, en fait. Ça vous demande de l'explosivité et d'être dans l'instant. Votre muscle, il doit être réactif tout de suite. Alors que sur des pratiques comme le pilates, où on va être dans la durée, où il va falloir tenir une posture plus longtemps, c'est votre endurance musculaire qui va être mise à l'épreuve. Et l'endurance musculaire, tu vois, c'est ce qui a fait que là, ça a un peu pêché.
parce que vous ne l'avez pas beaucoup travaillé pour l'instant. Vas-y, reparle parce que du coup, on ne t'entend plus, Malika. Et... Ah ben non, mais c'est bon. Ok. C'est ça, le poignet qu'on a relevé tout à l'heure, mais sinon, ça va, j'ai bien aimé le cours. Okay. Le reste, rien d'autre, c'est bon. Et Sylvie, alors ? Bah moi, j'ai un peu mal aux abdos de séance de HIIT, voilà, donc je suis... ça se réveille, hein. Donc c'est un petit peu dur, mais bon, ça va revenir. Du coup, il y a un moment, c'était difficile, ouais, tu sentais que c'était ouais, les abdos. À quel niveau, les abdos ? Ah ouais, là, c'est... Et déjà, j'ai des courbatures, plus ça, là, c'est... Mais t'auras moins mal demain, du coup. Ouais, voilà, je marche à quatre pattes. Du coup, tu creusais un peu le dos ou pas ? Non, je pense pas. Non, ça arrivait quand même. Non, par contre, j'ai pas eu mal au dos là. J'ai pas eu mal au dos. Ok, bon, bah c'est très bien. Si tu avais mal aux abdos et pas mal au dos, c'est que tu engageais suffisamment la sangle abdominale et que du coup, tu compensais pas au niveau des lombaires. Donc, bah, c'est très bien, c'est le plus important. Si tu as eu mal aux abdos, j'ai envie de te dire, c'est le but. Oui, et un peu les poignets aussi. Ouais, j'ai vu qu'à un moment, tu es passé sur les coudes. Ouais, ouais. Ouais. Bah, tu avais raison, ouais. Ouais, c'est normal qu'au bout d'un moment. Ok, vous avez d'autres questions, d'autres choses La fréquence à laquelle il faut pratiquer pour vraiment en tirer les bénéfices, on va dire. Ok, alors il n'y a pas de norme, hein, mais c'est vrai que si tu veux voir des résultats significatifs, l'idéal ce serait de le faire au moins deux fois par semaine. D'accord. Donc, par exemple, une fois ensemble et une fois en replay de ton côté, c'est okay. Bien. Voilà. D'accord. Ok. Et donc, ce sont des cours qu'on aura tous les jours, toutes les semaines ? Normalement, oui. Hein. Je sais que Caro, elle voulait mettre ça en place. Donc là, elle m'a dit ce soir. Après, je ne sais pas pour les autres semaines, mais normalement, oui. Hein. Il n'y a pas de raison. Hein. Normalement, toutes les semaines. Et après, si vous voulez faire en replay, ça fera plaisir. Hein. Donc, évidemment, pour optimiser, le mieux c'est de au moins deux fois par semaine, hein, minimum. Eh ben, c'est cool. Bon. Sylvie ? Oui. C'est bon ? T'as oui. Dit tout ce que t'avais à dire ? Oui, oui. Oui ? Ok. Bon, bah, nickel. Bon, bah, merci, Elodie. Bah, merci. De rien. Bonne soirée. J'espère qu'on pourra aller un petit peu plus loin la prochaine fois. Puis, parce que là, du coup, c'est vrai que c'était un cours ouvert normalement. Donc, j'ai au plus grand nombre. Donc, du coup, j'ai essayé de faire aussi des trucs pas trop difficiles quand même pour que tout le monde puisse suivre. Donc, on verra la prochaine fois si on peut aller un peu plus loin quand même. OK ? Il y a Valérie qui se reconnecte là. Je ne sais pas, il y a eu une déconnexion. Ouais, c'était coucou Valérie. Elle a perdu sa connexion. Tu as eu un problème de connexion ? Elle nous entend peut-être encore. On ne la voit pas. Mais... Ouais, il semble avoir des... Mes soucis. Ouais. Bonne soirée, moi j'y vais. Bon bah bonne soirée. Ouais. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Bye bye. Bye bye. Bon appétit. Merci. Vous merci. Aussi. Bye.